Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Nathalie raconte, il y a un poussin dans ce livre. Est-ce que vous voulez m'aider à retrouver le petit poussin? Oui. Parfait, nous pouvons commencer. Regarde, un poussin vient tout juste de sortir de l'œuf et il est dans ce livre. Oh! Serait-ce son frère dans cet œuf tacheté? Tapote-le du doigt pour l'aider à éclore. Comme ça. Allez, plus fort. Bravo. Ensuite, tournons la page. Oh, la coquille commence à se fendiller. Bravo. On ouvre à trois. Un, deux. Trois. Mais qu'est-ce que c'est? Un gentil dragon, mais pas un poussin. Le petit poussin continue à picorer et fait des petits trous. Crois-tu que son frère est de l'autre côté? Oui, tu le penses aussi? On tourne la page? Parfait. Waouh! Un magnifique œuf de Pâques tout rose! Est-ce que le frère du petit poussin serait à l'intérieur? Secouons l'œuf, les enfants. Je pense que nous l'avons suffisamment secoué. On tourne la page? Oui? D'accord. Oh, surprise! C'est un monstre farceur, mais pas de petit poussin. Oh, c'est quoi ce bruit que j'entends? Suivons la piste, les enfants, avec votre doigt. En haut, en bas, en haut, en bas. On tourne la page, les enfants? Oui? Vous êtes prêts? Tournons la page. Oh, c'est encore un œuf. Et je crois qu'il est en train d'éclore. J'entends. Vous êtes prêts, les enfants? Tirons la petite glissière en haut. À trois, vous êtes prêts, les enfants? À trois. Un, deux, trois. Regardez les enfants, il est là. Bonjour Et voilà, l'histoire est finie les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis avec le petit poussin, à très vite pour de nouvelles histoires. Au revoir. Au revoir, à très vite.